L'impact environnemental des plastiques doit être combattu sur l'ensemble de leur cycle de vie. Une règle d'or à cet égard est Reduce, Reuse, Recycle. Nous devons lutter contre la surconsommation de plastique. La culture de l'utilisation unique doit faire place à une culture de la réutilisation. Et nous devons garder les plastiques le plus longtemps possible dans le circuit. Cela nous évite de gaspiller des matières premières, d'émettre des gaz à effet de serre, de détruire la biodiversité et de nuire à notre santé. Alors la Belgique entend montrer l'exemple. Nous avons ainsi interdit l'utilisation de sacs et gobelets plastiques à usage unique, ainsi qu'une foule d'autres plastiques à usage unique qui se retrouvent souvent dans les déchets sauvages. Nous avons également beaucoup investi dans la collecte séparée des plastiques en vue de leur recyclage. Nous obligeons les industries à incorporer des matériaux recyclés dans leurs produits en remplacement des combustibles fossiles. Et la Belgique entend aussi jouer un rôle de pionnier au niveau international. Outre que la pollution par les plastiques ne s'arrête pas aux frontières, il s'agit d'un problème environnemental qui, par ailleurs, exacerbe les inégalités sociales dans le monde. Ce sont en effet, partout dans le monde, les populations les plus vulnérables qui sont les premières touchées par la dégradation de la qualité de notre environnement. Et ce sont les mêmes qui sont mobilisés pour traiter ces déchets dans les pires conditions qu'ils soient. C'est pourquoi j'apporte aujourd'hui mon soutien à un protocole international ambitieux pour la protection socialement juste de notre planète contre la pollution par les plastiques.